It's just the time to say, you know, I really love you. Bienvenue à ce magazine télévisé d'aujourd'hui. Je suis Valérie Le Sénu. C'est bon, Valérie. Hello everyone, thanks for watching Téléimage. I'm Barbara Saint-Louis. Good evening, Valerio. Good evening, Barbara. Good evening, all the viewers. Good evening and welcome to this new edition of Téléimage. La première édition de Téléimage pour cette nouvelle année, Barbara. Je profite de cette occasion pour saluer et remercier tous les amis téléspectateurs au nom donc de Téléimage, de notre part. Merci à tous ces amis téléspectateurs, tous ces fans qui nous sommes restés fidèles pendant toute l'année 2012 et nous souhaitons qu'ils soient encore fidèles pendant l'année 2013, une année qui s'annonce très bien. Avec Téléimage, n'est-ce pas, Barbara? Effectivement, Valérie. On profite de leur dire alors quels sont les meilleurs vœux pour l'année 2013. Tous les vœux de santé d'abord et tout ce qu'on peut leur souhaiter de plus positif. Okay. Et je fais de même, Barbara. Je te souhaite d'être encore plus jolie, plus radieuse, plus souriante, comme toujours, plus amoureuse, n'est-ce pas? De Valérie? Certainement. Et qui d'autre? Et puis, plus de succès pour Téléimage. Et certainement, ouais. je profite aussi de l'occasion pour dire merci à Barbara de m'avoir accompagné pendant toute l'année 2012. Mmh. Donc, je souhaite que pendant l'année 2013, on ne pas plaguer, moi, continuer à accompagner dans l'émission. Effectivement, Valérie, et M. Voilà. Zod a fait même Barbara tout pour la parfumerie de Barbara. Oh, certainement. Parce que... La parfumerie de Barbara, c'est le plus beau sponsor de ces émissions. Et je suis, encore une fois, je m'attelle à la tâche pour faire la promotion de la parfumerie de Barbara. D'ailleurs, quand c'est le côté malé, il me paraît, depuis au WEM, il y a eu depuis au Brest, tout. Il dit la parfumerie de Barbara. Donc, vous allez comprendre. Je veux saluer de façon particulière, Barbara. Il faut qu'on salue Monsieur et Madame Philippi. Ouais. Monsieur et Madame Philippi, merci beaucoup pour support nous. Merci pour la petite carte, gentille petite carte que nous avons reçue de vous. Mm. Merci aussi à Marie-Laude. Marie-Laude qui toujours a supporté l'émission yes. ça. Eh bien, tout le monde sait qui de près ou de loin, peut-être ne pas citer non tout le monde, s'il vous plaît, pas de jaloux. Ouais. Ceux-là qui nous regardent à travers le monde, sur la planète, sur Internet, qu'elle soit côté nous et sous terre. Mm-hmm. Eh bien, nous brancher l'image, nous prendre relais, faites-y parolier avec nous. Nous disons merci en pile. Effectivement, Valérie, et moi, t'as aimé tout dire un merci spécial à monsieur et madame Como. Monsieur et madame Como qui nous supportent vraiment, Valérie. La parfumerie de Barbara n'existerait pas si ce n'était pas pour monsieur et madame Como aussi. Oui. Parce que femme dit que okay, ben nous-mêmes, en vie pendant toute l'année. Et ceci pendant des années. C'est vraiment un spécial merci à monsieur et madame Como. C'est ça, un couple assez particulier. Et qui, franchement, c'est un exemple que nous avons dit que nous gagnons carrément dans la communauté haïtienne. Mm-hmm. Tout ça. Et je pense que nous apprécions l'amitié que nous gagnons avec le couple, monsieur et madame Como. Merci pour l'amitié. Les amis téléspectateurs, je voulais vous dire une émission très intéressante. Bon, on va s'appeler à la tâche comme d'habitude. Mm-hmm. On nous a annoncé que pour l'année 2013, non, certainement, Téléimage pourra aller travailler pour faire plus travail toujours, pour porter plus d'émissions à nous. Plus segments. Ouais. Et des segments les uns les plus intéressants que les autres. Information d'Haïti, nouvelle d'Haïti que nous connaissons, que nous aimons. Mm-hmm. On va, Barbara, j'espère, revenir avec les émissions Women Image qui est très demandée. Effectivement, Valérie. Il y a demandé pour émission. Demandé pour émission, mais Valérie, il faut nous rappeler, mesdames, surtout, que participation est très importante parce tout que si vous pas participé, ce n'est pas facile, je ne peux pas faire ça toute seule. Donc, moi, c'est que nous-mêmes, mesdames Captané, qui remet Women Image, nous-mêmes, messieurs et tout, eh bien, encouragez mesdames pour participer à l'émission Women Image. Parce que c'est déjà pour les femmes, ça. C'est Women ça. Image, so, mesdames, c'est important pour nous participer pour Women Image retourner. Tout à fait. Donc, émission intéressante de Téléimage pour Anéa, différents segments, nouveaux segments et certainement, nous m'adons participation. Et puis tout le monde parler de participation sponsor, les commanditaires, les gens qui supposaient, qui t'a supposé, eh bien, pour te coller ensemble avec Téléimage de façon financière pour être capable de supporter les coûts de production et émission, ça, pour nous payer blanc, nous toujours dit blanc, mais écoutez, hein, vous savez de qui on parle, c'est station télévision côté que l'émission est passée. Nous passons sur Verizon Fios TV, sur Cablevision, et c'est des émissions qui passent sur des réseaux qui payaient, il faut dire, donc nous devons comprendre que nous avons besoin de sponsors, besoin de commanditaires. Même quand une émission, disons, n'était pas payée, mais pour faire les émissions, pour avoir les informations, les nouvelles d'Haïti et tout, mais quand même, hein, ça vaut la peine de supporter l'émission. C'est ça. Bah vrai. C'est ça. Alors, quand je dis que les émissions sont payées, il y a deux façons. Il y a le coût de production des émissions, les studios, les correspondants, les collaborateurs, caméramanio, qui s'en servent de nous faire émission. Mm-hmm. Ensuite, émission payée parce que nous payons station. Et en plus, on paye assurance qui vous permet de nous garantir que l'émission est capable de continuer. Donc, vous allez comprendre que c'est vraiment lourd. Et nous, on a pendant combien d'années déjà, Barbara? Ah, ça fait déjà un bon bout de temps. Plus de 10 à 11 ans c'est qu'on est là. On a desservi la communauté. Yeah.
C'est pas facile. Et puis il a annoncé tout que Téléimage a passé sur les réseaux du côté de la Floride. Ça dit qu'on cap garder en Floride, nous on regarde puis mon Floride qui branché. On a le spécial pour mon Floride, très branché, je peux te dire. Parce que ça joue si téléphone moi pas suspensionné Valérie. Justement, c'est ça. Et les gens réagissent. Et il a réagi à chaud, oui, mais il m'a dit tout. Oui. Parce que peut-être c'est du nouveau du côté de la Floride. C'est ça. Peut-être que yo pas habitué à mesdames, yo cap bay cause ça yo. Et bien voilà, ça c'est mesdames New York, yo peut-être une fois quelque chose à la Floride tout. Certainement, faire un show de oui, mais il m'a dit avec la population Floride là-bas. Pourquoi fait, pas? Tout à fait. On avait essayé de déplacer un petit peu, côté que telle image passée, il y a des gens qui ont nous un peu partout, nous vivons dans la zone, ça va se faire, nous promettons pour 2013. Ouais. Voici donc pour les souhaits, pour les perspectives, les objectivités, peut-être les visions que nous avons pour telle image pour aller ça. À nous font camper la Barbara, puisque l'émission, ça, nous avons programmation quand même à présenter. Donc une émission intéressante, et remarquez encore une fois, c'est avec plaisir que je commence bien l'année avec vous autres, amis téléspectateurs, parce qu'à côté de moi, c'est la ravissante Barbara, c'est lui qui est avec moi. Very nice, alors, the right formula. Indeed. Vous restez branchés. Juste après la pause, entrez d'emblée dans la programmation qu'il y a pour aujourd'hui. We'll be back. January 12, 2010. It's been 3 years. And to remember our fallen brothers and sisters from this terrible and historical earthquake, Castle Royale presents Healing Haiti Compa Night on January 12, 2013 at The Lab, located at 1428 Fulton Street in Brooklyn, New York. Healing Haiti Compa Night joue 12 janvier 2013 dans The Lab Nightclub avec l'animation musicale du groupe Charisma. Avec aussi la participation de l'artiste vedette Alain Cavé. L'artiste Marc Plaisir. Une belle soirée ambiance compa Belle Moon avec deux best DJ dans New York là, DJ Starks et DJ Fresh. On a eu l'occasion tout pour nous assister à un bel défilé de mode avec une série de modèles bien sexy, Fashion Show by Casley, Glamour-matic. Songez, marquez date la 12 janvier 2013, dans The Lab, 1428 Fulton Street, en Brooklyn, New York. Admission $35. Pour information, relayez 347-432-6509. 347-432-6509. Healing Haiti Compa Night, un événement à ne pas rater. Je vous présente le restaurant le plus chic, le plus confortable et le plus prestigieux de la communauté haïtienne de New York. Mireille's Restaurant, situé en plein cœur du village de Raspberry, Long Island, au 170 Post Avenue. Mireille's Restaurant is known for the best continental cuisine in town. Have you tried their exotic seafood, the poultry, their pasta, from the penne italiano to the lambi in creole sauce? Mireille's Restaurant, we cater to your weddings, communions, birthdays, christenings, business meetings and rendezvous. Pour toute belle balle, belle fête de classe, Mirez Restaurant mettait à disposition communauté haïtienne, non? Avec deux grands bars modernes, service valet parking. Relez depuis Kouniala pour faire réservation, 516-338-4933, 516-338-4933. Mirez Restaurant, la fierté de la communauté haïtienne dans le domaine de la restauration. La parfumerie de Barbara a exactement tout ce qu'il faut pour vous, mesdames, et vous aussi, messieurs, lorsqu'il s'agit de cadeaux et de senteurs exotiques de parfums en provenance de Paris et de la ville de Grasse. À la parfumerie de Barbara, vous trouverez des parfums de grand nom et de renommée internationale pour hommes, femmes et bébés. Oui, parfums pour bébés. Senti bon coûte cher, c'est vrai, mais avec la parfumerie de Barbara, senti bon au rabais. C'est comme ça, soit acheter un parfum, il aurait tiré $10 sous l'ibou, soit acheter deux parfums même, il aurait tiré $25. Dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de meilleurs produits de beauté, parfums qui sautillent directement dans le pays, la France. Déodorant, Obao, Prétil, Bourgeois, Fa, Rexona, Bien-être, Fenjal, Poudre Bourgeois même à gogo dans la parfumerie de Barbara. Crème pour le corps, Mixa, Belda, Montsavon, Bourgeois, gel de douche, de grand nom s'il vous plaît. Visitez la parfumerie de Barbara au 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, ou bien appelez Barbara au 516-805-2318 et elle vous rappellera, si vous l'aviez oublié, que la parfumerie de Barbara est aussi la maison des cadeaux. En effet, le coin idéal pour offrir des cadeaux, tels des tableaux, artisanat, articles de souvenirs de notre cher pays Haïti. Rappelez-vous, la parfumerie de Barbara est aussi la maison des cadeaux. Nous allons commencer avec une musique vidéo de un artiste haïtien lui-même qui est du côté de la Floride, mais qui t'a fait un petit coup de pied ici là, New York, qui t'a fait connaissance avec nous dans Téléimage, précisément la parfumerie de Barbara, il était passé et il était venu présenter nous avec ses délits qui est intitulé Turbo Dévotion et nouveau musique vidéo li, et bien c'est de la musique
mouvement samba vlil. Okay. Well, Valerio, it's a very interesting video, very nice video. You guys are going to get to see it. I mean, you know, the guy's been busy in the video working, so he doesn't have time to make love to his loved ones. Okay. And guess what happens? Okay. You know, when we wonder what happens. We wonder what happens. Well, I got to tell you, by the time somebody else shows up to do the work in the swimming pool, the lady's eyes start wondering, and you know what? You're a man. You can imagine. We'll see what happens. Mais ce qui est important, c'est de dire combien que c'est ton plaisir pour te rencontrer l'artiste lui-même, le chanteur, le band leader lui-même, qui t'est venu, qui t'est fait passer dans le studio. Non? Et ça nous fait nous plaisir et nous remarquons que l'artiste, qu'on apprécie certainement, émission qui a fait promotion de la musique haïtienne. Ouais. Nous-mêmes, tout apprécie l'artiste. Ouais. Et nous voulons promouvoir nouveaux talents, nouveaux artistes. Mm-hmm. Nous saluons Wang Alcindor. It was a pleasure meeting you and we're telling you good job. Keep it up with the band. The band Turbo. And now let's go to the video. And I think the lady is lovely, very beautiful and sexy lady. Uh-huh. And of course, the gentleman, you know. Muscle-licious. And it. You know, so it's Turbo, good looking lady, muscle-licious gentleman. So let's see what happens. Let's go watch Wang Alcindor, Turbo, their video, Mouvement Samba Vlin. C'est heures du matin fin passé ou pas beau côté. Mandez qui ça me défaire, affection pas bon. Pour s'en partir bien loin, ma vie chercher, pas à vivre sans vous. Pour faire plaisir, chérie, retourner dans la vie. Encore, sentir que me brisé. Besoin caresse, soulager vie. Comme un besoin fossou, besoin parfum. Bébé, levé. Doudou, pas quitter mon bébé. Bébé, non, mouvement samba, mouvement samba, pour quitter mon bébé. Mais qu'elle m'a craché, mouvement samba, mouvement samba, chérie, écoutez. Pour quitter mon tombé, my love, pour pas qu'on ait qui laisse côté moyen. Qui côté me caché, c'est moi qui t'écrasé l'amour non. Comme une chance, une demi chance. Oh, pas quitter mon bébé. Bébé non, bébé non, mouvement samba. Oh, mouvement samba. Pour quitter ton bébé, c'est mon bébé. Et qu'elle m'a caché, mouvement samba. Mouvement samba. Mouvement samba. Let's go! Ooh, ooh,
January 12, 2010. It's been 3 years. And to remember our fallen brothers and sisters from this terrible and historical earthquake, Castle Royal presents Healing Haiti Compa Night on January 12, 2013 at The Lab, located at 1428 Fulton Street in Brooklyn, New York. Healing Haiti Compa Night joue 12 janvier 2013 dans The Lab Nightclub avec l'animation musicale du groupe Charisma. Avec aussi la participation de l'artiste vedette Alain Cavé. L'artiste Marc Plaisir. Une belle soirée ambiance compa Belle Moon avec deux best DJ dans New York là, DJ Starks et DJ Fresh. On a bien occasion tout pour nous assister à un bel défilé de mode avec une série de modèles bien sexy, Fashion Show by Casley, Glamour-matic. Songez, marquez date la 12 janvier 2013 dans The Lab 1428 Fulton Street en Brooklyn, New York. Admission $35. Pour information, relayez 347-432-6509. 347-432-6509. Healing Haiti Compa Night, un événement à ne pas rater. La programmation de Téléimage continue et avec plaisir, amis téléspectateurs, aujourd'hui, laissez-moi d'abord vous dire que l'émission est décontractée. Une émission moins sérieuse que les autres, puisque c'est le début de l'année. On va commencer doucement, nous allons aller au fur et à mesure pour une vitesse de croisière. Nous avons l'émission Téléimage avec différents segments et programmations que nous allons présenter. Donc, pour se divertir un petit peu, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé l'année dernière. Fin d'année qui s'est passé, là, il y a un événement qui est marqué fin d'année. Hein. Mm-hmm. Nous allons faire peut-être un rappel de ça qui était marqué fin d'année, particulièrement au événement, parce qu'il y a un caractère culturel et même politique. Ouais. N'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, c'était la prestation de notre président, M. Joseph Michel Martelly, en République Dominicaine, à côté de la mégastar superstar Julio Iglesias. Mm. C'était une superbe soirée, superbe présentation du président de la République. Et c'était dans le cadre, dans le contexte, eh bien, de concerts donnés par l'artiste Julio Iglesias pour venir en aide aux enfants déshérités d'Haïti. Mm. Donc, Fondation Rosé Blanc, qui est Fondation Michel Martelly, président de la République, était bénéficié eh bien, de contributions concerts. On a dit encore une fois merci à la superstar Julio Iglesias qui vient en aide à Timoun qui est censé déshériter dans le pays. Hein. Mm-hmm. Julio Iglesias qui dit que lui-même, depuis c'est pour cause ça, il a répondu présent. Le président de la République a répondu présent lui-même tout et il était monté sur les planches. Mm-hmm. Il était performé avec Julio Iglesias. On dirait que c'était un rêve que Michel Martelly était gagné en tant que musicien qui vient réaliser pendant le président. Rêve réalisé avec Julio Iglesias. Justement, vous allez voir ça, c'est peut-être pour vous permettre ça qui peut être quoi. Il y a plein de gens qui peut-être pas tout, nous t'en parler de ça. Il y a qui dit well sur Internet, c'est vrai. Nous allons revivre ce moment-là. Et je pense que c'est le moment de l'année, dans la fin d'année qui se passe là. Et bon, à côté de tout aspect politique, moment, je pense que c'est un aspect très culturel. Et très intéressant à voir, parce que c'est un aspect aussi touristique, très positif pour Haïti, en fait. N'est-ce pas? Effectivement. So, mais ça, c'est fait en Dominicane, en République Dominicaine, certainement. Okay. En République Dominicaine, mais quand même, c'est voisins nous qui continuent à supporter nous. Et à chaque fois, nous remarquons que nous sommes obligés et accepter que c'est en Dominicaine que ça se passe. Parce que là, ce que je veux dire, c'est que pour que ça concerne, ça pas de fête à Haïti. Ouais, pourquoi pas? Puisque ça doit bénéficier les enfants de. C'est ça, d'Haïti. Oui, d'Haïti, effectivement. Donc, je pense que la question reste quand même pendante. Réponsant, le monde qui peut-être organise le spectacle à répondre. Mais pour le moment, reportage et président lui-même qui s'est fait. Nous parlons, behind the scene. Et, of course, président qui a performé avec Julio Iglesias. Pour ceux-là qui n'ont pas encore vu ce moment, passez encore avec nous. Un moment intéressant. Pendant que nous-mêmes, dans Téléimage, nous pensons que ce moment, ça a été important. Dans la fin d'année que ce passé là. Président Martelly, tu réponds à l'invitation de Nadia Production pour venir assister et participer dans grand concert artiste international Julio Iglesias t'a offert dans Altos de Chavon, La Humana, République Dominicaine, vendredi 28 décembre 2012. Là. Président Martelly, bat bravo pour l'initiative ça et puis saluer geste solidarité Julio Iglesias fait pour Haïti. Une autre fois encore, c'est une grosse opportunité. Nous sommes à Altos de Chavon, un simple un théâtre national, nous, là, nous. Excepté que nous maintenons ça et que nous faisons en sorte que le travail crée emploi. Donc, à ce soir, nous allons performer avec Julio, qui était invité moi, pour me chanter deux musiques avec lui. Parce qu'il était pensé avec Oralie, avec Fosti, pour venir en aide à Haïti à travers la Fondation Rosé Blanc. Dans un premier temps, il était proposé pour aller vers l'éducation. Et bien sûr, c'est responsabilité et fondation pour le choisir, mais j'ai l'impression que les gens et fondation voulaient aller dans la santé avec lui. Donc, on est première dame plus dans la santé. Donc, l'idée, c'est que chaque fois, nous sommes capables
et un sur une scène internationale vend une belle image d'Haïti, un Haïti qui content, un président qui a chanté et parler des progrès qu'a fait en Haïti, donc que ce soit avantageux pour Haïti. Et deux, chaque fois que nous avons levé des fonds et mettre le service population, faire bien avec le peuple là, son bail que nous avons toujours fait. Et pour moi même tout, en tant que un monde qui était accompli et qui t'a fait carrière dans l'industrie, hein. Je veux dire, pour moi, je chanter avec son scène, chanter deux musiques avec Oulio, je pense que c'est une belle réalité. Donc voilà, c'est pour ça que nous là, nous autres faisons prise de son là, dans quelques heures, on aura le spectacle. En termes de bénéfices, monsieur le président, qu'est-ce que nous avons espéré En termes de bénéfices, d'une part, propager une image positive d'Haïti, ou Haïti. Et cap vivre, on a été cap rebâti tête li, on a été cap renaître. Et puis bien sûr, l'avantage est financier, côté que gain des fonds cap débourser pour fondation haïtienne, pour organisation haïtienne qui va mettre le service et population. Déjà beaucoup moins des projets côté réalisable. Bon, comme là beaucoup non mais nous on prend fondation qui a décidé vodia que c'est dans Un exemple, c'est dans CTC, le bras le mettre, dans le traitement choléra, et puis le arrivé au choléra ABC, et puis il dit à mettre le nom, l'autre bagaille. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que d'une façon ou d'une autre, il va aller au service population, il va aller au service peuple. Et donc, pour me dire qui ça ne va pas avec, ce n'est pas ça. La chose, c'est que pour la fondation marché, il a besoin de fonds, et à travers fonds, les projets seront réalisés. Alors, vous voulez que ça, chanter pour Haïti quand même, point de vue d'image, c'est très bon pour le pays. Certainement, d'ailleurs, au lieu de dire ça déjà, ce n'est pas juste monter venir chanter, on pourra parler un peu d'Haïti, on pourra parler. Et d'ailleurs, pendant que ça me passe par la tête, je pense que c'est une opportunité, je vais même inviter, s'il d'accord, le ministre tourisme qui l'a peut-être monté, dit de trois belles paroles pour Haïti parce qu'il parle espagnol. Et moi-même, en gros, je vais bosser une vision de l'Haïti d'aujourd'hui, de l'Haïti de demain. Mais avant tout, nous l'y pas. Après ton concert quand même. Donc tout ça en une ou deux minutes. Une ou deux minutes. Parce que moi-même fait expérience là, des artistes et comme des sous scène. Public qui vient chanter, il n'y a pas fait une tour, mais les gens ont fait trop politique. Alors moi-même, m'a saisi, m'a volé minutes, m'a volé opportunité à me faire. Mais ce ne sera pas une soirée pour politique. Là quand même été en concert. Nous n'avons pas rencontré avec des autorités, mais tout de suite après, nous avons dîné avec près de 200 plus grands industriels et hommes d'affaires qui gagnent par bon ici. On dîné que a fait pour moi-même qui là. Donc, moi déjà dit que ma présence, PM, là, nous pouvons attendre. Nous pouvons rencontrer des gens pour qui ça a parlé, pour que Haïti tire profit de tout ça. Donc, avec vos conseils, comment ça a clôturé l'année en beauté, l'année 2012? Bon, je suppose ça, que la fin en beauté, quoique ouais, le monde tourne. Pendant la beauté pour nous, il y a deux mondes qui ont souffert de l'autre côté, donc ne pas oublier. Nous voyons des souhaits de bonheur, de courage, de santé pour tout le monde. Merci. Monsieur le Président. En pile d'émotion, tu as dégagé dans la soirée ça. Pendant tout le concert, Olio Iglesias vient tourner un gros défenseur pour cause Haïti. Les mêmes rivés font déclaration ça. Pas de frontière entre Haïti et Dominicani. Si Haïti pas progressé, ce domaine pas ka progressé tout. C'était une grosse déclaration devant une assistance qui était grand pile homme d'affaires, entrepreneur, personnalité politique, tant que Carlos Troncoso, ministre des Affaires étrangères République dominicaine, Oscar de la Renta, Barbara Walters, pour ne citer Mounsao seulement. Moment fort dans le spectacle là, c'est l'heure où le ecclésiaste va l'inviter président Martelly venir chanter avec lui. Président, tu mettais tout talent li dehors. This is the day, President. Woo! Because, like I said in the beginning, I will love. There will not be frontiers for the kids in any place in the world. That's why we all are here. Por eso estamos aquí los dominicanos. Je me gustaría mucho, je voudrais bien mon président, que vous venez ici de là. El presidente d'Haïti.
you don't play. I got to talk in English like you told me. Moi je voudrais bien. Tout le monde debout. Everybody is in the space. Just thanking you for being here. Los dominicanos queremos presidente. We will love in history. We talk about Michel Martelly comme un nouveau président dans la démocratie formidable d'un pays qui commence à remonter. Thank you, Julio. Permite que yo trata mi español. Yo voy a hablar en español. Me gustaría saludar al presidente Danilo. También al canciller Carlos Troncoso, que está aquí. A las estrellas Barbara Walters. Al pueblo dominicano que queremos tanto, nosotros haitianos. Un saludo al primer ministro de Haití y a mi esposa. Julio, gracias para dejar Haití brillar en esta gala. Muchas gracias. En nombre de los niños, gracias. Y fui un cantante toda mi vida, pero nunca he pensado que sería de pie al lado de ti cantando. Le 28 décembre 2012, ça, Haïti prend une autre fois encore une autre place sur scène internationale. Là. Concert ça, c'était vraiment une belle opportunité. Julio Iglesias, merci. Lacoste pour hommes. Lacoste élégance. Lacoste original. Vos parfums Lacoste. Pour marquer d'une touche spéciale les moments qui n'arrivent qu'une seule fois dans votre vie, tels que votre mariage, la première communion de vos enfants, baptême, fiançailles, anniversaire, sweet 16, vous avez certainement besoin de l'expertise des professionnels de Téléimage Production qui vous garantissent un service de première classe, avec une attention particulière et surtout un prix abordable. Téléimage Special Package, pour seulement $2,999 pour les services de vidéographie, maître de cérémonie et DJ. Mes amis, Téléimage paraît avec un special package côté que tout le monde qui prêt à le marier a capable save sous prix vidéographie, maître de cérémonie, DJ, photo et limousine. Pour seulement $2,999 ou a capable marier entre l'église, fait belle réception mariage ou sans problème. Téléimage special package pour seulement $2,999 pour vidéographie, maître de cérémonie et DJ. Relais Téléimage depuis Kouniana pour plus d'informations pour ne qu'à bénéficier de special package ça dans 516-805-54-10, 516-868-35-30. Téléimage Special Package, côté que Téléimage Production a desservi avec classe, professionnalisme et les garanties ou satisfaction. Téléimage Special Package. Vos parfums Yves Saint Laurent. Bon, beaucoup n'y en valait, nous pourrons parler de soupe jumeau. Oui, soupe jumeau, parce que soupe jumeau. On va négocier soupe jumeau, Valérie.
Ok, là, écoutez, pour être sérieux, c'est parce que simplement, pour commencer l'année, hein, l'on commence l'année, une nouvelle année, nous on est, nous tous haïtiens qui regardent là, nous tous haïtiens, nous y avons, tradition l'exige, soupe joumouan, son soupe traditionnelle. Son soupe, nous pas négocier. Nous pas négocier. Mais si vous faites soupe joumouan, la caille, vous allez bon, c'est la caille, vous allez ah non, même si nous avons caille, là, moi, je vous fais soupe joumouan, parce que... Si vous faites soupe joumouan, vous boire tout, écoutez, voyons. Je vais boire soupe joumouan, là. Parce que le fait que vous faites dans le cas là, mais vous allez de l'autre côté. Ah bon, écoutez, 1er janvier, si vous faites dans le cas là, Valérie, dans le cas là, vous allez souple dans le cas là. Voilà. Donc, au fait, c'est quoi la signification de tradition ça? Chaque 1er janvier, et nous, dans toute communauté haïtienne, dans tout partout à travers le monde, même nous-mêmes à l'étranger, dans l'autre pays, il faut une petite soupe joumou. En Haïti, nous connaissons chaque 1er janvier, c'est d'ailleurs le jour de l'indépendance, c'est une belle célébration. Dans l'autre émission de l'image, j'ai apporté une célébration qui était faite dans Gonaïve, côté le président avec le premier ministre, le gouvernement, font une visite pour célébrer et fait ça. Mais pour nous-mêmes, tradition, nous-mêmes, tout dans la diaspora, oui, nous avons des traditions. Ah oui. Alors, pour nous comprendre la tradition un petit peu mieux, Barbara, nous te faisons un micro-trottoir et nous avons flâné nos caméras et notre micro du côté de la communauté haïtienne sous l'Enden Boulevard. Nous te faisons arriver dans Triomphe Musique. Et puis, nous avons rencontré un ami, M. Joseph Addison, dans Baldwin, qui était d'accord avec l'opinion de qui les gens, eux-mêmes, ils ouais les traditions sous Joumouan. Est-ce que tu es bois sous Joumouan? Monsieur, monsieur, bois sous Joumouan. Ah oui, mais ça, c'est vraiment Valéo qui fait la peine, c'est qu'on n'a pas de chance de joindre deux, trois mesdames pour parler de soupe joumou. Évidemment. Parce que, ordinairement, nous connaissons mesdames, c'est mesdames exactement. Au moins, qui paraît soupe joumou comme monsieur, ça va boire. Eh bien, bon, parce que pendant que je suis jeune, mesdames, je suis là, justement. So, why not we start with you? Donc, quelle signification soupe joumou pour Baba? How about we do that? Soupe joumou, premièrement, forme du l'homme de petit. Soupe joumou est fait comme si on pense à son bagage qui just fait chaque année ou boit soupe joumou. Okay. Ou pas vraiment connaît. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, il est important qu'on ait pour nous faire petit monde qui fait ici ou connaît. Tradition soupe joumou, ça a qui ça que lié vraiment. Qui signification? Pour qui ça vous fait? Exactement. Qui signification? Parce que tout l'homme de petit, moi-même, moi, chaque année, je connais, c'est just l'heure arrive nous boit soupe joumou. Okay. So, pour moi-même, c'est comme ça nous-mêmes haïtiens, nous commençons la nouvelle année hein, par boire soupe joumou. Ok, sans qu'on ne connaisse pas pour qui ça. Effectivement, sans qu'on ne connaisse pas pour qui ça. Vous ne pas dire pour qui ça va aller boire soupe joumou. Eh bien, nous parler, nous pensons que c'est ça qui fait que nous pensons que segment ça, et peut-être, là, on va regarder les réactions, toi, Mounio, toi, intervenant. D'abord, on a salué M. Joseph Addison, on a salué M. Mario de Volsi, et puis l'artiste Charles Davoine. Eh bien, ils ont participé, ils ont fait une réaction, nous avons dit que au même tout, au moment, ils n'ont pas connaissé pour qui ça se joue. Ouais, c'est vrai. C'est en grandissant, ils ont des raisons. Ouais. Et c'est ça qui fait notre travail, ça. C'est pour vous-mêmes, invités spectateurs, ou même qui, quel que soit le côté, pour apprendre, eh bien, passer tradition, bah, l'autre génération qui va venir. Pour tradition, ça, pas mourir. Ouais. Donc, ou même quand vous regardez là, eh ben, qui est important sous joumou pour vous-même, qui signification les gains pour vous. Nous parlons de ça, messieurs, vous avez pu dire, ou même signification sous joumou pour eh ben, moun sa yo qui boit sous joumou pour bien entendre. Entendez. Mon cher, forme donc, question de boire sous 1er janvier, son tradition liée pour tout haïtien, pour moi-même personnellement, moi-même, je ne pas passer 1er janvier sans que je ne boire sous. Normalement, d'après ça, l'histoire dit, la petite histoire, et que me connaît, dans le temps esclavio, c'est que l'esclavio était qu'on a gardé blanc français qui a boire soupe chaque dimanche. Et que l'esclavio, même après bataille de combat de vertière qui était fait au Cap, et puis le nègre fin prend liberté, et nègre fin fait une grosse réunion avec tout esclave haïtien, dans le 1er janvier, côté que, il était baillé tout le monde soupe dans le pays. C'est là que la tradition, 1er janvier, soupe jour moins, dérapé. À partir de là, tout haïtien, il prend ça comme tradition pour boire soupe chaque 1er janvier. Soupe jour moins, on va que moi-même, acheté le dimanche dans le restaurant Port-au-Prince, sous l'Indien Boulevard, presque chaque dimanche. But, soupe joumou 1er janvier lui-même pour moi-même il a une signification très culturelle. Au la kao ou boire soupe ça le téléphone nous sonnait quelque ça monde va parler ou dit monde ça combien bol soupe libre déjà ou bien si la boire soupe par la cunier alors c'est mon bagage qu'on fait chaque dimanche bon 1er janvier on fait ça son bagage que nous share as Haitian. Vous comprenez que yes, il y a même 3-4 bols soupe joumou. Et comme maman papa mourir, il n'y a pas là encore. Je me suis songé pendant ma boue. Et chaque 1er janvier,
si me font année me pas songer le 1er janvier me songer. So that's what it really means to me. It's that family ties that comes with the Soubjoumou on January 1st. Moi comme on est nous même nous sommes peuple qui est très nostalgique comme tout peuple même pas ici nous très 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 nostalgique. Et ça que me penser que Soubjoumou il gagne même importance que il gagne de en Haïti a, il gagne tout dans toute communauté haïtienne mais nous garder pour nous et fait que 2 janvier a gagné en Haïti. A pas oublier que malheureusement, dans notre pays, dans notre communauté, dans notre pays, 2 janvier, c'est bonjour férié lié. Ça veut dire qu'il fait que les bagages même effet. Parce qu'actuellement, pendant qu'on a parlé de 2 janvier, 2 janvier en Haïti, son jour férié. Ça veut dire son jour que, qui a même importance avec 1er janvier, parce que comme on dit, c'est jour des aïeux liés. Mais son jour tout que nous, son jour familial lié, côté que c'est jour ça pour aller rendre visite, par ma reine, par reine, par femme, on sait de bagages. Mais ils citent malheureusement aux États-Unis ou dans l'autre pays. Que nous connaissons, qu'il n'est pas fêté même gens parce que c'est pour un jour férié le fait. Mais moi, c'est dans le cœur, nous, nous-mêmes, haïtiens, qui toujours aimons le pays, nous, qui toujours songe le pays, nous connaissons l'importance que la date ça a gagné. Ça veut dire, côté de mon campé là, je pense que je vis quand vous êtes de janvier à Haïti, moi-même. Pour bien dire, il perd un petit momentum depuis que parents mourent. But, you know, my sisters are much older than me, so the tradition still remains alive. Like I said, yesterday we celebrated. Gen nan nou menm ki pa nan New York, so nou nan telefon, se kon kou nan bre soup la ansam nan telefon. Ou kon tout bay yo, un ti jan virtual se yu si. But, tradisyon, m panse ke tradisyon an tre vivan, roman, li ba mouri. E bi, avek reporter kon kou menm kap fè travay sa yo pou eduke Haitian American yo, jan gran ti moun sa yo lo, kap grandi kou nyan la, pou yo ven komprende sa ba, sa vle di nan kultu pa nou. Depuis que je suis entré ici, j'ai presque 40 ans ici. Je marche pour sous le carbone chaque 1er janvier ici. Parce que je crois que l'irrité est traditionnelle dans la communauté haïtienne. Je ne manque pas pour sous plat parce que d'ordinaire, comme on connaît, nous sommes traditionnels liés. Et je ne suis pas bon seul soupe seulement, non. Je passe en pile côté de bois soupe et je en pile soupe pour moi tout. Et comme je dis, je pense que soupe jour moi tout, et son bagage remarquable parce que nous connaissons que depuis 1804, côté que tradition ba nous que font bois sous jour parce que sous jour mon représenter standard capable les solidarité haïtienne nan, et qui prouvait que nous grand pile histoire qui passait qui fait autour de sous jour moins mais nous capable de venir dans fiction parce que chaque histoire gagne une importance différente dans histoire sous jour moins mais d'ordinaire comme on dit nous pense que ça qui bon ça veut dire sous jour mou représenter ça n'est capable prêler une référence les a parler de un plat que haïtien lui-même c'est jour ça le plus important les gens que aux États-Unis nous voyons que turkey coden yo balan pile importance pour indépendance pa yo nous même tout nous gagne plat pa nous gagne sou jour mou qui représente même bagarre là ça veut dire comme penser que sou jour mou encore et pour tout effet scientifique pour tout effet que nous connaît que le bon tout pour la santé mais son bagarre me penser tout qui représente encore et solidarité haïtienne nan, et l'union que haïtien était réussi réalisé pour capable gagner indépendance nous mais comme on dit nous penser que c'est 1804 et qui était ba nous indépendance nous toujours son honneur pour nous haïtiens là n'a parlé de 1804 indépendance nous que nous prend 1er janvier 1804 et n'a mené kounya comme haïtien qui connaît qui fait remarque ça connaît que 1er janvier c'est jour indépendance nous comme haïtien tout songer que 2 janvier c'est jour des aïeux et n'a parlé de 2 janvier Valerio je dis pas parler de ce jour tout bon je dis de liqueur avec gâteau parce que comme nous connaît ni liqueur à gâteau à tout représentons l'autre question tout la question 2 janvier via. Nous connaissons que depuis que ça arrive tout, on n'est pas manqué pour acheter qu'à ma tante, qu'à amis, qu'à famille pour nous boire du liqueur avec gâteau. Donc, comment dit nous pensons que geste ça aussi, geste qui était prouvé nous haïtiens nous-mêmes, depuis de mettre tête ensemble, nous capables de réaliser des bagages. Réaliser des bagages là, est-ce que nous-mêmes capables de dire, nous génération pas nous capables de dire que en 2004 qui s'est passé, nous réalisons des bagages, j'en peut-être en 1804 et en cette débat, nous, et indépendance, nous, en 1904,
nous pas nous toujours faire remarque ça une plus gros bagarre encore que les ancêtres montaient ba nous parce que c'est tout gouvernement non Alexis côté que nous avons un hymne national nous qui est là de Salignel côté que c'est même occasion ça encore c'est occasion du centenaire de l'indépendance nous côté que des prend initiative que débat nous hymne national nous qui est là de Salignel c'était Justin Lérisson avec Nicolas Geffrard qui était gagné concours ça que on fait avec concours ça c'est même pas la musique ça ton docteur te ba nous nos musique là que est là de Salignel ça veut dire nous venons en 1804 nous gagné indépendance Cuba que nous commémorer l'indépendance nous en 1904 nous devinons hymne national nous parce que avant ça nous même c'était la Marseillaise hymne national française que on a joué ça veut dire parce que c'était une grosse barité parce que chaque temps on a chanté hymne national nous gon fierté gon émotion passant dans nous qui prouvait nous vraiment que nous fiers que nous c'est haïtiens ça veut dire penser que nous une question pour nous poser tête nous est-ce que génération qui a vini a gagné une référence pour faire les parler de génération panouan qui dépasse en 2004 qui ça nous remettre pour 200 ans nous et comme moi de nous capable 300 ans mais quand même nous voit c'est l'évolution le process qui a couru pour nous mélanger 100 ans moi c'est 300 ans grand pile bagarre que nous même haïtiens que nous capable faire jodi à la à partir de même jodi à la même pour nous capable dire at least nous de qui ton bagarre un bagarre qui gain même effet qui gain même importance que en cette de qui était pour nous ni en 1804 ni en 1904 signification pour moi d'après ça d'après l'histoire c'est que c'est son question de côté que haïtien gagne en liberté et depuis sous temps esclave de, le temps de l'esclavagisme côté que le haïtien sorti en bas main blanc français qui le temps quand on regarde yo quand presser sans sous plan yo de qu'on prend mais pas de liberté pour être pas de boire sous plan mais après combat d'ouverture yo te vinn gagne vous devez une liberté ça et puis vous, et c'est femme de que et bois sous jour moi tout c'est mon qui est plus capable que tu es capable sur plateau OK mon qui pas capable pas capable sur plateau pas oublier que longtemps sous époque esclavage l'esclavage c'est que blanc et nègre noir là il pas gagner assez il pas gagner moyen non même pour le faire ça c'était manioc cassav c'est bagage sont contre moi il te contre manger il va contre boire sous place c'était un luxe que le ah vous bien dire on pas contre son psychologique lié et sous 1er janvier à l'autre goût peut-être je mettais plus attention là-dedans je mettais plus ingredient in it et on gagne plus que mostly moun qui brasse sous 1er janvier on pas croire l'acheter dans restaurant. Alors, so, j'ai l'impression que le goût est différent parce que je ne sais pas grand pile de monde qui boit soupe restaurant le 1er janvier. Soupe joue dans le restaurant, et surtout dans le restaurant haïtien. Bon, ici, on sait pas e-commerce. Je ne sais pas que je prends assez de soins pour servir. Sous le 1er janvier. Sous le 1er janvier, c'est un bagage que côté monde prend sans ni. Pour boire un bon soupe pour le 1er janvier, surtout si c'est le premier fois qu'on va boire une soupe comme ça, on va make sure que le bon soupe pour qu'on tourne le 1er janvier prochain. C'est-à-dire que les prennent soin de la soupe, ça, les mettent plus bon ingrédient là-dedans que les gens qui vont venir dans le restaurant. Le restaurant haïtien, même le goût du monde, on ne va pas prendre. Peut-être qu'il n'y a pas même goût, parce qu'on est une question de l'âge. Tout le monde l'a vu monter, tout le monde l'a vu arriver, nous ne pouvons pas faire avec trop de sel. Ça veut dire, longtemps, l'aide est plus sel, l'aide est plus bon. Mais nous ne pouvons pas faire ni à trop de sel, ni à trop de piment. Mais comment vous pensez que, en pile au chef fait de l'affaire souple, il y a même fait qu'on ait un documentaire que Baïna Bello, une fille qui fait un pile au chef sur l'histoire d'Haïti, il fait qu'on ait que, il y a une bagaille qui est retirée. Et saveur qui retirait importance, qui retirait tout, valeur médicale, vitamine que soupe la gagne, c'est viande. Et nous-mêmes, nous comptons que nous aimons mettre viande en dans soupe jour moins, mais normalement, et officiellement, premier soupe jour mou, qui était fait en 1804, là, côté que tout, plusieurs esclaves, plusieurs monde qui ont des possibilités, ils ont porté différents, ils ont porté bananes, ils ont porté manioc, ils ont porté baïo, mais normalement, pas de jambes qui ont viennent là-dedans. Ça veut dire, viande pas fait partie de l'original soupe jour ou moins. Ça veut dire, comme ils ont fait qu'on est tout, viande retirer toute force que nous avons, toute force vitamine que nous connaissons que jour ou moins, spécialement là-dedans. Ça veut dire, comme nous-mêmes, sous jour ou moins, on va évoluer avec le temps. Il y a des gens qui font sous jour ou moins, qui mettent n'importe quoi là-dedans. Il y a des gens qui font sous jour ou moins, à part qu'ils ne mettent pas de viande, bœuf, ils mettent de viande cabrite, ils mettent n'importe viande, comme nous, on va changer avec le temps. Mais effet, comme nous, depuis sous jour ou moins, pas jaune,
Ça veut dire pas sous jour. Ça veut dire que pense que jour moins une importance capitale, qu'elle soit soit faire, qu'elle soit l'autre bas ou ajouter la donne, mais lui obligé rester un sous jour. Ça veut dire qu'on va faire jongler, mais jour moins lui indispensable la donne. Ça veut dire comme moi dis nous, je pense que ça prouve encore qu'elle soit retirer quoi, déranger quoi, on doit boire sous chaque dimanche j'en habitué boire là, mais sous jour mon 1er janvier, lui même font l'autre souplier parce que lui même ont l'autre effet parce que son soupe qui font sorte d'échange. Moi même comme moi dou, m'gétan boire 5 à 6 soupes de différents cailles. Ça veut dire pour montrer que son geste de partage, son geste de solidarité lié et je pense que son gros exemple lié, je pense que son exemple qui prouve que haïtien encore, j'ai toujours dit là et qui en relé et devise nous, un peu le monde dit depuis dit devise, toujours dit devise nous, c'est l'union fait la force. Non, devise nous c'est liberté, égalité, fraternité. Pas l'union fait la force. Devise nous c'est liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire avec trois mots ça, on pense que haïtien, j'aime toujours dire nous essayons tout bagay, yon ba marcher, mais avec l'amour, tout bagay kap marcher. Ça veut dire, moukre les fraternités, moukre les égalités, c'est ça que veut dire l'amour tout. Ça veut dire, je pense que avec l'amour, tout bagay kap changer. Et pas tout haïtien, vraiment, non, qui comprennent et affaire soubjou moi. Li juste rete en tradition. Normal, même pas quoi, et pas tout haïtien qui connaît exactement côté guide sa sorti, ça fait que yon boue soub chaque 1er janvier la kayo. Et m kwe que li, oui, li rete en tradition pour la communauté haïtienne, non? Communauté haïtienne, yon boue soub chaque dimanche, normalement. Même dans le restaurant haïtien, yon vend soub chaque dimanche. Mais quand même, le 1er janvier, c'est normal, son tradition. Il y a des gens qui levent depuis la mi-temps, la nuit, là, ils ont commencé à faire souple pour lever le matin, pour l'autre monde, qui a sauté dans la balle, ils font fête, ils font fête, même pour boire souple, avec pain, haïtien, chaque 1er janvier, là, quand même. Je crois que c'est une grosse tradition pour nous, dans la communauté haïtienne. Ils n'ont pas oublié, même malgré que ils n'ont pas compris la signification, ils n'ont pas compris. Ok, moi, je n'ai pas longtemps compris tout le monde, ça. C'est après m'apprendre dans bouche monde qui plus grand passé moi qui expliquer les traditions sous jour moi. Pumpkin soup, you know, like we will pronounce it in English is a tradition in the Haitian culture. I think there's a lot of things in Haitian culture when it comes to food, you know, on a regular Sunday in Haiti where there's no holiday, there's a certain type of meal we eat that we know it's Sunday food, like sauce par France, à betterave, du riz blanc, à poisson. That's like, in every Haitian family, we know that's like our Sunday food. You understand? So when you go to the soup jumu, it has also a more serious, you know, meaning because it is our day of independence also, right? Our independence celebration day. So I'm not really a historian. I'm not sure if there's a link, but maybe there's also a link to that special date in the soup jumu. So it goes much higher than just nutrition, you know. So we're talking about traditional cultural thing, you know, it has very, 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 very significant meanings, you know. Moi, j'ai un homme qui est marié avec étranger, mais je ne peux parler de lui-même avec étranger, mais lui-même, lui montre marié le boue soup là. Il prend. Malgré que il prend monsieur temps pour venir habituer avec idée hein, mais monsieur vient rien mais sur monsieur tellement vient rien monsieur qu'on fait le tout il fait pour nous que nous fasse c'est la caline dans le soupe monsieur vient très mais monsieur sont américains noirs qui fait soupe haïtien hein, soupe jour moi haïtien hein, très bien. January 12, 2010. It's been 3 years, and to remember our fallen brothers and sisters from this terrible and historical earthquake, Castle Royal presents Healing Haiti Compa Night on January 12, 2013 at The Lab, located at 1428 Fulton Street in Brooklyn, New York. Healing Haiti Compa Night joue 12 janvier 2013 dans The Lab Nightclub avec l'animation musicale du groupe Charisma. Avec aussi la participation de l'artiste vedette Alain Cavé, l'artiste Marc Plaisir. Une belle soirée ambiance compa Belle Moon avec deux best DJ dans New York là, DJ Starks et DJ Fresh. On a eu l'occasion tout pour nous assister à un bel défilé de mode avec une série de modèles bien sexy, Fashion Show by Kazli, Glamour-matique.
Songez, marquez date la 12 janvier 2013. Dans de l'arbre, 1428 Fulton Street, en Brooklyn, New York. Admission $35. Pour information, relais dans 347-432-6509. 347-432-6509. Healing Heidi Compa Night. Un événement à ne pas rater. Nous gagnons une annonce, Valerio, que en pile la moun kap gade la, t'as supposé prêter attention. Eh bien, c'est Casa Royal qui a présenté Healing Haiti Compa Night, January 12, 2013. Ça veut dire que c'est pour commémorer et anniversaire jour soir ça, pour nous songer toute tragédie ça, nous connaît qui t'est passé en Haïti 12 janvier, un tremblement de terre là, côté que nous t'ai gagné pile frère nous à sœur nous t'ai perdu la vie. Eh bien, Compa Night Healing Casa Royal qui a présenté Healing Haiti Compa Night that night in order to remember our fallen brothers and sisters from the devastating earthquake of January 12, 2010. They're going to feature entertainment by Alan Cave, Charisma, Marc Plaisir, alongside DJ Scratch and DJ Fresh. And also, they're going to have a fashion show by Kazlee Glamomatic. Now, for all information, you know, if you guys want to buy your tickets already, the tickets are $35 in advance, but if you start buying, you know, they may even sell them for $25. Tout à fait. They say they saw the ad on Teleimage, they'll give it to you for $25. So if you want to, you know, help them out in this movement, then you definitely need to go to the party. The party is happening at the lab. The lab is at 1428 Fulton Street, Brooklyn, New York. And for more information, you can call 347-432-6509. It starts at 10 p.m. and it ends at 4 a.m. So don't forget again, it's January 12th at the lab at 1428 Fulton Street in Brooklyn, New York. And for more information, you should call again at 347-432-6509, starting at 10, finishing at 4 a.m. C'est ça. Et déjà, c'est la semaine prochaine. Et pas oublier, c'est pour commémorer 3e année tragédie tremblement de terre. Parce qu'en pile, nous pensons, il est important pour nous participer, pour te coller avec l'organisation. Ça, c'est une organisation justement qui a aidé. Et eh bien, pile du monde en Haïti. Et puis cette fois-ci, il faut parler de la parfumerie de Barbara. Barbara, pour cette année, bon, c'est que la parfumerie peut certainement avoir un pile d'autres avantages. Sales special. What is special for la parfumerie? Well, définitivement, Valerio, nous connaissons que Christmas là, il est fini. Fin d'année, fini. Nous commençons une nouvelle année. C'est ça. Et bien, forme du déjà, nous avons un arrivage de nouveaux parfums qui en route, cap vini là, Valerio. Okay. On a préparé déjà pour la fête de Saint-Valentin. Ok. Parce que Gapil Moun qui pas déjà oui parce que Gapil Moun qui pas de chance tout bay cadeau pendant la Noël le t'a aimé faire geste gen moun tout te bay cadeau pendant Noël là ça pas empêcher au tout bay moun un cadeau encore pour fête Saint-Valentin. Ah oui. Bay cadeau c'est tout le temps bay cadeau. Oui, l'être aimé doit toujours recevoir des cadeaux. Ah oui. Donc je pense que c'est il faut une le chérir. C'est ça. OK. Donc on va bailler occasion ça. Oh effectivement, Valérie. C'est pas d'excuse là. Pas d'excuse, très bon parfum, parfum que pas joindre bon ici des parfums authentiques. Okay. Et bien moi c'est que la parfumerie de Barbara à Paris définitivement pour Saint-Valentin mais pour qu'on y a là déjà pour monde qui peut-être pas de chance bay cadeau pour Christmas qui t'a aimé bay petit cadeau pour monde pas de bay cadeau parce que on continue faire. C'est fini à la parfumerie de Barbara le 1935 la grande avenue dans Baldwin Long Island ou bien relez moi le 516 805 2318 ou aller dans site internet nous qui c'est www.laparfumeriedebarbara.com ou www.needperfumes.com. Valérie, faut pas oublier tout à part de parfum. Nous gagnons les déodorants et au baro, printil, les poudres bourgeois, miel sauvage. Nous gagnons des crèmes miracles justement que nous encourageons les gens pour nouvelle année ça, hein, mes amis. Ça crée les boutons, taches, décoloration, le visage nous, n'importe ça, nous avons le visage que nous pas aimé et encore nous tout. Et bien, pas oublier encore, venez à la parfumerie de Barbara ou bien relez sur Bacavini, faites commande là et nous voyons pour vous. Et très bien vite, après que ta chaud commence à sortir, l'envisage nous et encore nous, ceci, c'est pour ni garçon ni fille. Yeah. Faut nous rappeler, monsieur, ça tout va l'air. En pile miracle, en pile monde. En pile monde. En pile monde. C'est pas blague. Et en pile monde qui remet peut-être, nous ne pas avaler par la télévision pour ta faire, peut-être. Tu sais, Valérie, dis-moi. Mais bon. Gagne toi, monde, yo t'es d'accord, yo quitte tes photos. We took pictures before, we're waiting for them to come back and we see the results. Exactement. So, d'après encourager monde, achetez crème, yo. Acheter produits pour les cheveux qui se cassent. Nous avons beaucoup d'ampoules, pommades et tout ça. Donc, je pense que mes amis,
Depuis nous besoin de bons produits, produits français que nous-mêmes nous habitués avec eux, et bien voilà, le bien-être et même je peux dire pour hommes, femmes et bébés aussi, pour les enfants, les petits-enfants, on a des parfums pour les enfants parce que je me toujours dit ça Valérie, pas chita mettre parfum grand monde sur petit monde. OK. Il pas bon, il pas quoi petit monde pas fait même avec pas nous. On regarde l'odeur qui peut être. Ouais, effectivement. Il faut c'est normal. So, mes amis, venez à la parfumerie de Barbara, relez. Font petit coup de pied pour nous capables de prendre avantage. C'est ça. Et de... puis, Léo prend le site internet. Tout le monde dit ça rapidement. Pour mon ami, Barbara est capable de voir les marchandises. Donc, elle est à côté de nous aux États-Unis. Ouais, effectivement. Il faut préciser ça. Oui, effectivement. Voilà. Nous voyons tout de côté. Donc, rappelons le site internet, c'est nidperfumes.com ou bien laparfumerie de Barbara.com. Il y a plein de nous qui brachent sur internet. Nous connaissons ça. Que nous joignons dans la parfumerie de Barbara des produits originaux, authentiques. Les produits français. Donc, bateau à être déplacé, ils sont en France, en route pour le venir. Ah oui, les produits arrivent. Parce que... wow, parce qu'il y en a d'autres là pour c'est ça. Je me joue là, Valérie, des parfums copines, mon Afton. Alright, laissez-moi maintenant vous rappeler que les émissions Téléimages nous passent un peu partout sur le réseau internet, nous, c'est téléimagetvshow.com, sur YouTube, sur Facebook et tout côté que nous avons l'émission. Salutations à nouveau les téléspectateurs si là, eux, qui rejoignent Famille Téléimage du côté de la Floride, qu'on est passé dans Miami. Et puis tout, il faut nous dire tout le monde qui est dans Long Island que l'émission ça, s'il passait le samedi sur Channel 18 à 3h de l'après-midi, il passait tout sur Channel 20 à partir de 4h de l'après-midi, le samedi et le dimanche. Nous sur Verizon Fios TV. Le samedi et le dimanche, sur Channel 40, à partir de 1h de l'après-midi. Et c'est ainsi que nous allons terminer cette émission aujourd'hui, Barbara. Ouais, avant qu'on termine, Valérie, on a l'autre annonce. Ceci, c'est du côté de Mirel's Restaurant. Okay. Mirel's Restaurant, que pile monde dans la communauté connaît restaurant ça. Il y a un restaurant que nous-mêmes, nous toujours dit, qui n'est pas comme les autres. C'est qui, ça. C'est qui, les meilleurs restaurants ici. Effectivement, hein, avec parking espace, et niveau, tout. C'est ça. Qui ont fait des rénovations vraiment bien. Ouais. Et Mirel's Restaurant fait appel à la communauté haïtienne, hein, justement, pour communion, pour baptême, sweet 16, mariage, quelle que soit occasion spéciale. Hein, et bien, pas oublier encore, c'est la Mirel's Restaurant pour nous aller dans 170 Post Avenue, et bien, pour nous book, mes amis, buy business là, à un business haïtien. Pas aller tout le temps, c'est aller dans l'autre côté étranger, Valérie, pour aller buy business. C'est ça que nous toujours dit nous-mêmes haïtiens. Nous pensons que pour nouvelle année, ça, et bien, essayer de supporter haïtiens pareil, nous, mes amis. Important. Supporter Haïtien pareil nous, supporter Mirel's Restaurant, supporter la parfumerie de Barbara, supporter Téléimage Production tout. Si nous avons mariage, justement, Sweet 16, communion, nous faire réception à la Mirel's, nous-mêmes nous avons assuré maître de cérémonie, hein? Nous avons assuré Didier, portion Didier, hein? Et vidéographie, hein? Et même photographie. Hein? So, pourquoi pas? Si nous-mêmes déjà nous avons date nous déjà connaissons qui le team nous va le communier, eh bien c'est déjà relé nous pour nous faire réservation. Rele la Mirel's pour réservation place là. Oui. Nous même rele nous pour réservation de DJ, maître de cérémonie, vidéographie et même photographie. So mes amis, pas oublier encore nouvelle année, hein? Nous t'a souhaité que nous même haïtien k'ap gade et tout ça k'ap gade au Valerio. Nous toujours di moun yo, fais devoir pa yo, di yo ça tout. Oui, di yo que et bien c'est seule façon pour nous même haïtien pour nous avancer. Nous pas capable chaque année pour nous rester dans même position toujours. Faut qu'on progrès qui fait à communauté ça et c'est ensemble pour nous faire plein de professionnels dans communauté hein. Gran pile là d'yo on nous réalise Valerio qui pas collaborer à communauté. Oui. Alors, là nous parler de ça, nous parler de business, il y a des gens qui ont business, ils ne peuvent pas faire business sur la télévision. Haïtien. Mais ils peuvent aller dans le channel étranger, ils ont passé réclame. Ils ont seulement venu là où même, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin de dehors. Mais depuis qu'ils ont joué dehors, ils n'ont pas bon business. C'est ça. Nous pensons que la nouvelle attitude là, c'est supporter une autre pour la communauté, je suis là capable d'avancer. C'est ça que nous pourrons essayer. Peut-être pendant toute émission Téléimage, nous pourrons refléter à travers l'émission. Nous pourrons essayer de motiver Haïtiens pour supporter une autre, pour Haïtiens bailler plus bon service. Et pour finalement nous joindre, et tête ensemble ça, au moins là, dans la communauté haïtienne New York, là, nous sommes capables de commencer comme ça. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, Barbara, il faut terminer. C'est ainsi que nous terminons. Merci encore une fois, merci Barbara d'avoir été avec nous sur le plateau pour la première édition de Téléimage pour cette nouvelle année. Mes amis téléspectateurs, continuez à suivre nous et puis continuez à supporter l'émission. Hein. Ouais. Bonsoir tout le monde, bonsoir Barbara. Bonsoir Valérie. Remember, we love you. You take care of yourself and each other. Tout est bien et toujours. Until next time. Apo ki tim tombe pou ki ou pa leve m souple. 5h du matin fin passe ou pa bo kote. Mande ki sa m te fè, affection pa bò. Pou sa pa ti bien loin, m'a pe chache ou, m pa sa viv san ou. Pou fè plaisir, chéri retourne nan vi. Encore, senti ke m brisé, besoin caresse sou la
jeli comme un besoin fosou besoin parfum bébé levé doudou pas quitter mon bébé. T'aime tomber, my love. Ou pas qu'on est qui laisse. Côté moins, et côté caché. C'est moi qui t'écrase l'amour, non. Pas moi en chance, une dernière chance. Oh, pas qui t'aime tomber. Baby, non. Mouvement sambable. Oh, mouvement sambable. Ou qui t'aime tomber. Qui t'aime tomber. Qui t'aime pas craché. Parfum Yves Saint Laurent.